peau. C'est bel et bien un serpent bois. Bonjour la famille, bienvenue à Ville en Gros. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment attraper un serpent bois sans se faire mordre. Et surtout, je rappelle encore, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, ne faites vraiment pas ça chez vous. C'est dangereux et très risqué. Tant que vous n'avez pas encore eu à travailler ça avec quelqu'un de professionnel, vaut mieux ne pas essayer. Ou bien si vous n'avez pas des expériences acquises pour manipuler les animaux, vaut mieux ne pas essayer. Ici, c'est un serpent bois, un jeune serpent bois qui est dans l'eau et nous allons l'attraper vivant et vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour l'attraper vivant. Et surtout, observez bien l'effet des gestes. Là, le serpent est dans l'eau et il est dans une position très dangereuse parce que quoi? Il est en train de regarder vers moi et il est en position d'attaque. Je dois absolument me méfier de cela parce que si je m'approche, il peut facilement m'atteindre. La seule solution, c'est pour se placer à distance en évitant son point d'attaque et le provoquer. Là, ça va le perturber. Je le renvoie sur la position, à l'endroit où je peux facilement le maîtriser. Et ne pensez pas que le serpent n'est pas dangereux. C'est vraiment dangereux. Lorsque vous regardez les vidéos de capture de serpent, sachez que ces gens-là ont l'habitude de le faire. Et ce n'est pas leur première fois généralement qu'on se met à filmer. Donc, vous devez vraiment vous méfier. Là, par exemple, le serpent est en train d'attaquer. Il est dangereux. Donc, je vous rappelle encore ça. Déjà, pour attraper le serpent, la partie la plus dangereuse sur le serpent bois, par exemple, c'est sa tête. Et aussi, son anus. Parce que là se trouvent des piqûres vraiment dangereuses. Pour ce serpent-ci, lorsqu'on a déjà maîtrisé la tête, le reste est un peu plus facile à contrôler. Ouais. Et comme vous-même vous voyez, je vous rappelle vraiment que c'est dangereux. Donc, évitez de faire ça chez vous, s'il vous plaît. Là, par exemple, vous pouvez encore regarder, il est en position d'attaque, il est vers ma position. Quand je change de position, il me suit avec la tête. Parce que quoi? Il sait qu'il est entre la vie et la mort. Et la seule façon pour lui de se libérer de cela, c'est de m'attaquer. Afin de m'atteindre. Là, s'il réussit à me mordre, je pourrais m'enfuir et lui aussi pourrait prendre son chemin. Ou bien d'autres, il pourra même me tuer. C'est la même chose pour vous. Lorsque vous croisez le serpent, soit c'est vous, soit c'est lui. Surtout quand il vous attaque. Et pour moi, je suis là une menace pour lui actuellement. Donc voilà pourquoi à toute position, je dois absolument me méfier. Et comme j'ai dit, ne pas lui permettre de vous attaquer. Vous devez toujours éviter son regard et le provoquer par surprise. Lorsque vous le provoquez par surprise, ça va le perturber. Et vous devez chercher à le maîtriser quand il n'est pas en position d'attaque. Et dès que vous avez déjà pressé sa tête, vous pouvez venir déjà arrêter la tête comme ceci. Et maintenir également la queue. Voilà. Voilà le serpent qui a été maîtrisé. Bel et bien un serpent bois. Pour ceux qui peuvent reconnaître par la peau, c'est bel et bien un serpent bois. Malgré que c'est un jeune serpent, mais il est tout au moins dangereux. Ok la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, si vous voulez avoir plus de maîtrise pour les animaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez et likez si cela vous a plu. Et sachez que dans nos vidéos, nous ne faisons pas seulement les captures de serpents ou bien d'animaux sauvages. Nous faisons également la formation en ligne. C'est-à-dire, nous détaillons comment gérer un élevage en ligne sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook. Donc, abonnez-vous pour la suite. Et croyez-moi, nous apprêtons vraiment des choses meilleures pour vous. Merci et à la prochaine.